Bonjour, donc ouais, Rémi Bonfils, 27 ans, je suis donc de Paris, né à Paris et grandi en banlieue parisienne et donc là maintenant je suis joueur professionnel au Stade Français et aussi diplômé de l'ISTEC. Un parcours assez classique, je sortais de mon lycée avec mon bac en poche et j'avais envie de poursuivre des études supérieures, donc dans le commerce, tout en me laissant la possibilité de pouvoir continuer le rugby. Donc je me suis renseigné sur internet, voir ce qui était accessible pour moi et je suis tombé sur plusieurs écoles dont l'ISTEC qui restait aussi dans un quartier de Paris qui était proche de là où j'ai grandi et qui me permettait de pouvoir et avoir ce parcours universitaire et continuer le rugby à côté. Donc j'ai passé des concours et j'ai été accepté. Alors j'ai commencé le rugby, j'avais 12 ans, donc j'ai fait la plupart de mon parcours en banlieue parisienne où j'ai grandi dans le Val-de-Marne. J'ai intégré le Paris Universitaire Club à l'âge de 16 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans. Après, je suis retourné un petit peu en banlieue pour jouer et après, j'ai intégré le Stade Français, c'était l'année 2007, l'année de la Coupe du Monde 2007. Donc, ouais, c'était à la fin de ma première année à l'ISTEC. Et depuis 2007, je suis au Stade Français et maintenant, j'ai eu mon premier contrat pro à la fin de mon parcours à l'ISTEC en 2010. C'est-à-dire que quelques semaines après avoir validé mon mémoire de fin d'études, j'ai signé mon premier contrat pro avec le Stade Français. Alors, lors de mon premier match pro, je m'en souviens très bien, c'était contre La Rochelle, au Stade Charletti. Parce qu'à l'époque, donc là on est dans les locaux de Jean Moin, qui est un stade flambant neuf qu'on a depuis maintenant 2 ans et demi. Mais avant qu'il soit construit, on a été délocalisé à Charletti pendant un moment. Donc on jouait là-bas et donc c'était contre La Rochelle et j'avais un de mes meilleurs amis avec qui j'avais joué au Stade Français, qui jouait à La Rochelle. On s'est retrouvés l'un contre l'autre. Donc c'est ce souvenir-là que j'ai en tête et c'est aussi le souvenir de... J'ai vu tout le parcours par lequel je suis passé et le fait d'être allé, d'avoir été à l'ISTEC, d'avoir eu un parcours un peu différent de certains jeunes du centre de formation qui, eux, par contre, sont en sport-études dès l'âge de 16 ans. Et voilà, c'était assez plaisant en tête de me dire que je m'étais fixé un objectif et j'avais réussi à l'accomplir. Et donc voilà, c'était le début d'une aventure que j'ai réussi à continuer par la suite. On va faire le meilleur souvenir côté plutôt sérieux, donc universitaire. Il y a mon mémoire de fin d'études parce que j'avais réussi à trouver un sujet qui me tenait à cœur. Sur les stratégies marketing des équipementiers sportifs. Et donc ça m'avait permis aussi de mettre un pied dans ce que je voulais faire après le rugby, tout en gardant le côté sportif et le côté commercial. Donc, et ça s'était très bien passé pour moi, donc ça c'était un bon souvenir. Après le côté peut-être un peu moins sérieux, mais tout aussi important de l'école, c'est le côté associatif. Et quand je dis moins sérieux, parce que c'est lié aussi avec les week-ends d'intégration, les soirées qu'on faisait ensemble. Et je sais que dans notre promo, on était une promo qui on s'entendait tous bien, même avec d'autres promos, et ça se voyait bien dans le côté associatif et le côté soirée qu'on faisait ensemble. Et je pense que c'est quelque chose d'important, qu'on peut faire le parallèle avec une équipe de rugby aussi. Il y a le côté sérieux d'entraînement, mais aussi le côté un peu festif à côté qui est nécessaire pour pouvoir souder un groupe. Et j'ai pas mal de bons souvenirs en tête de ces jours en week-end intégration, en voyage au ski, de séminaires qu'on faisait ensemble. Et voilà, c'est... Bon souvenir que j'ai. Je pense que ce qui est bien, c'est d'essayer de se fixer dans la limite du possible un objectif pour la fin des études, assez rapidement, pour savoir où est-ce qu'on veut aller, vers quel type de spécialité on veut s'orienter après l'ISTEC, et pour pouvoir tout au long du parcours de l'ISTEC savoir voilà, telle ou telle matière, je vais accentuer un peu plus parce que ça va représenter ce que je veux faire après. Et pouvoir commencer déjà à se connecter à certains réseaux pour trouver des stages appropriés et voilà, une reconversion par la suite. Essayer de, dès la première année, dans la limite du possible, d'avoir une idée un peu plus précise de ce qu'on veut faire après. Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est de rien lâcher. Peu importe l'objectif qu'on s'est donné, parce que voilà, tout peut arriver. Si quelqu'un a décidé de, l'exemple que moi j'ai, qui me représente de faire du sport professionnel, c'est pas parce qu'on fait l'ISTEC qu'on peut pas y arriver, et c'est pas parce qu'on fait du sport professionnel qu'on peut pas valider un cursus non plus. Donc ne rien lâcher et un minimum d'organisation, parce que sinon après tout se mélange et là ça devient difficile. Donc essayer d'avoir des échéances claires et un emploi du temps assez clair pour pouvoir, si on a plusieurs combats à mener, pouvoir les mener
de manière assez précise et efficace à la fois. Les amis avec qui j'étais se demandaient si j'allais toujours être roux, même si je faisais du rugby professionnel. Et bah ouais, je suis toujours rouquin. Donc une petite pensée à Maxime Grosdoy et à Maxime Jeanclet qui hésitaient là-dessus. Donc je leur passe le bonjour. Et non, j'espère qu'ils ont tous réussi à mener à bien leur projet. Et j'ai une petite pensée pour eux. Et j'espère pouvoir les retrouver, un de ces quatre, dans Paris. Et si jamais ils veulent venir au stade voir un match, bah, ce sera avec plaisir.